en avoir le cœur net. Cela se passe du côté de chez Zouzout. Tout ce bruit cette nuit. C'est sûrement un coup de Rami et Mira. Et cet avion, nous, alors. De toute façon, on va chez Zouzout. Zouzout, c'est nous. Réponds, Zouzout. Ah, vous voilà enfin. Venez que je vous montre. Regardez, c'est là. Oh. Mais c'est un véritable ouragan. On dirait des empreintes de géants. C'est énorme. On dirait plutôt des traces de dinosaures. Alors les dinosaures seraient revenus après la tempête? Un vrai mystère. Il faut trouver où ils se cachent. Voilà un piège génial. Tu l'as dit, même pas besoin de creuser. Recouvrons le trou de branchage. Tu crois qu'ils passeront par ici? Ils sont tellement curieux qu'ils vont suivre nos traces. Mais imagine que ce soit un monstre. Tu connais beaucoup de monstres capables d'écrire basket. Alors toi, tu es très intelligent. Vite, dépêchons-nous, ils sont capables d'arriver. Ça ne vous paraît vraiment pas curieux? Quoi donc, Kiki? Il y a de plus en plus de traces. C'est comme une marelle géante, c'est super. Oui, c'est cela, les dinosaures jouent à la marelle. Mais alors notre merveilleuse forêt va devenir leur terrain de jeu? Mais non, les loubelles, d'abord on ne sait pas qui ils sont. Moi je vous dis que ça vient de l'avion de cette nuit. Il y a de si jolies choses dans notre forêt merveilleuse, il ne faudrait pas l'abîmer, hein? Oh, attention! Oui, attention! Oh, cette fois c'est sûr, c'est un coup de Rami et Mira. Les sacripants, c'était un vrai piège. C'est dire que j'ai failli tomber dedans. Allez, aidez-moi à enlever toutes ces branches, il y a peut-être un indice au fond. Oh oui, regardez là, on distingue les empreintes. Attendez, j'ai mon matériel avec moi, on va faire un moulage. Oui, comme ça on va regarder dans mes livres. Ça y est, les amis, j'ai fini. Vas-y doucement, Boulou. Attention de ne pas effacer les traces. Je l'ai. Regardez, c'est un drôle de mot. Basket. Ah, je me souviens. C'est un jeu inventé par les humains avec des paniers. Oui, avec des paniers très hauts dans lesquels on jette la balle. Alors, les joueurs sont des géants? Et les géants jouent au basket dans la grande forêt? Non, non, il y a sûrement une explication. Coco, tu vas suivre les traces. Oh. Venez, les traces vont vers le lac. Oh, c'est incroyable! Disparu, plus rien! À croire qu'ils sont capables de marcher sur l'eau. Moi, je n'ai jamais vu d'empreinte sur l'eau. Et si on envoie un éclaireur? Tu penses à quelqu'un? Dis, Super Coco, tu veux bien nous faire un survol? Et si je tombe sur des géants? Toi, tu voles, alors tu ne cours aucun risque. Allez, vas-y, Coco. Regardez, Coco revient vers nous. Ils sont là-bas. Oui, là-bas, au milieu du lac. Pourquoi? Tu en as vu plusieurs? Oui, oui, des grosses masses oranges. Elles ont l'air de dormir. Allez, allez, à l'abordage. Ils sont gros. Tu crois qu'on va pouvoir les capturer? Mais s'ils se débattent, on fait comment? Ils ont l'air gentils. Ouais. Mais qu'est-ce que cela peut être? Moi, ça me fait penser à des gros champignons. On va se régaler. Attention, c'est peut-être encore un piège de Rami et Mira. Tu vas voir, on va les prendre avec l'épuisette. Vas-y, Boulou. Ça y est, il est cuit, capturez le monstre. Et regardez ce qu'on a attrapé. Un ballon de basket? Tu parles d'un monstre. On a juste capturé un beau ballon de basket. Eh bien voilà. Nous qui cherchions des idées, on va pouvoir faire un match. Super, allez récupérer les deux autres. Bonne idée. On va faire un match même si nous ne sommes pas des géants. Et mes deux épuisettes feront les paniers, d'accord les amis? Oui, aidez-moi. On va les accrocher dans les arbres. Allez les amis, tous en piste. On va s'entraîner. Oui, vas-y. Ouais.